Clean comme ça. Du coup, in-game avec... Et du coup, on est parti. Je vais faire cam inversé, voilà, et... Oh putain. Ah, au secours. J'inverse les deux, et maintenant c'est tout bon. Et du coup, on est parti sur PS2. Wolf contre Dadidou. Ok. Pour l'instant, c'est assez serré entre les deux joueurs. Ok. Let's go le pingouin. Bien. La dash attack qui va casser le Gordo, évidemment. Ce Gordo, on sait que c'est de la merde. Et merci pour le follow, Prince Addict. Merci beaucoup. Hop. Du coup, ok. Pour l'instant... Ouais, c'est un léger avantage du côté de Juni quand même. Je sais pas si on dit Juni. Je vais dire Juni. Parce que c'est une communauté de weeb. On mange le Gordo, très bien. Le backer, ok. Pour ça, ça sera un peu coup pour coup hein, pour le moment. On n'arrive pas trop à concrétiser cette stock. Des deux côtés. Bien, beau grab. Ça ne va pas tué évidemment, mais on en est pas loin. Le nerf qui casse le Gordo qui permet aussi de toucher en même temps, c'était très bien pensé. Et se faire poubelle. J'appelle ça un faire poubelle. En tout cas, on a l'avantage côté Max Ray. Il va falloir essayer de trouver un peu concrétiser cette stock du côté de Juni. Ok, je pense qu'il a voulu accrocher l'aile, mais ça a pas voulu. Dommage. Pour l'instant. Petit Déza côté de Juni, côté Max Ray, et la dash attack qui va tuer, bien joué. Et on retombe à Event Stock, à peu près 20%, mais là, voilà. 20% à peu près, parce qu'on sait que ça peut aller très très vite à 15%. Ok, on joue très patient de côté de Juni quand même. On joue extrêmement patient contre ce roi Dadidou. On profite de ses hitbox. Il joue la méta, il a raison. Ouais. Mais voilà, Max Ray, là où Juni, il faut qu'il mette 10 coups, Max Ray il en met 3, et il retombe à Even%. C'est comme ça la vie. Ok. Mais écoute, ça va nickel. Ça va nickel. Ok, bien joué ce fer. On arrive à renvoyer Max Ray un peu en désavantage. Le ledge trap. On saute bien et on F-smash, bien puni, bien joué. Et Juni qui met cette deuxième stock et qui met directement Max Ray en grande difficulté. Il va falloir essayer de tuer le côté Max Ray, il va falloir tuer contre ce Juni qui est très patient, très patient. Il approche un peu mais ça va pour le moment, ouais. Bien, oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. On joue carré. Oui. Ok, le nerf. Ok, le fer. On se prépare en ledge trap. Le ledge trap classique de Dadidou. Le Gordo into dash attack. Et bien joué. Très bien joué ça. Et du coup, on arrive à prendre comme cette stock du côté de Max Ray. On a comme 88%, maintenant 97, 107 à rattraper. Ça va être assez compliqué. À rattraper, mais on peut jouer sur le fait que Wolf peut avoir un peu de mal à tuer si on shield bien, si tu joues bien patient. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit trop le type de jeu de Max Ray, donc voilà. Et le F-Smash qui va toucher, qui va tuer. Juni qui remporte cette première game de manière assez concluante quand même. Hein. Quand même assez concluant. On joue très patient. On attend les options du Dadidou et après on frappe. On met ce bait et punish classique. Parfait. Juni qui regarde un peu tranquillement le chat, il vous lit. Tous les messages que je vais faire passer à Juni, regarde, mettez sur le chat, il lit tout. Non, j'ai juste que tu lisais tout le chat. Tu sais que tu lisais le chat, donc s'ils ont un message à passer, il faut juste qu'ils mettent dans le chat et tu le verras.
Je dis juste que tu regardais le chat et du coup, bah, s'ils avaient un message à faire passer, ils mettent tout sur le chat, tu le verras. C'était rien de particulier. Et du coup, hop, c'était joueur, jeu. Alors du coup, quelle map ? Ils vont partir. Le petit coucou stream, évidemment. Ça joue qu'il est pour le spectacle. Hop, et du coup, Yoshi Story. Voilà. Non, c'était ça. Voilà. Ouh, des petits lags, mais ça va aller. Il y a des petits lags. Il est trop fort. Je peux pas dire le contraire. Et du coup, on va être parti dans cette troisième game. Et il faut que j'inverse les deux. Hop là. Non, bah non, attends, j'étais bon. Mais qu'est-ce que je fais, moi, voyons ? J'ai bu quoi comme alcool ? Bah rien, pourtant c'est de l'oasis. Ok, bizarre. Bon, du coup on est parti pour cette deuxième game, Yoshi Story. Putain, c'est-à-dire que c'est plutôt une map qui va avantager Max Ray. On est une map beaucoup plus petite, avec les hauteurs, etc. On va pouvoir jouer un peu sur cette verticalité pour se faire entendre. Johnny qui reste sur le gameplay de tout à l'heure, très patient, on évite les gordos. Max Ray fait une option, on attend qu'il la fasse et on la punit juste derrière. Le nerf, très bien vu. Ok. Le nerf, le... Si, oui, c'était un nerf. Ok. Oui, bien vu. On empêche ce wave de monter. On a raison de côté Max Ray. Il faut l'empêcher, la dash attack, très bien vu. Jumni qui s'est un peu trop impatienté sur cette remontée au ledge. Mais je peux comprendre, Daidou, ça met une grosse pression surtout sur Yoshi Story. J'ai l'impression que c'est plutôt une bonne map pour lui. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une bonne map pour Daidou, Yoshi. Hein. Ok, on tente des up-tilt, on fait des up-tilt, on fait des up-tilt. La dash attack, très bien vu. Il va falloir essayer de tuer du côté de Jumni. Il va falloir tuer. Ok, dommage. On bait bien et là, il up smash qui va être trouvé, qui va tuer évidemment quand même. Au bout de 150%, up smash ça tue sur Yoshi quand même. Ok, bien vu. On trouve ce petit pistolet, on trouve ses options hein, pour le moment. C'est bien vu. Ok, le petit piou piou. Le petit piou piou. Dommage, ça va pas passer. C'est con. On était vraiment pas à grand chose. Hey ya. Je crois que c'est sûr qu'il aime bien cette musique. Ok, merci Routine pour le follow, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on a bien. On a été bien patient sur ce Donby. Ouais, on empêche le Daddy de remonter et on le fait dans la forme et ça va tuer. Et Juni qui prend l'avantage en termes de stock. Ok, bien faire. Bien vu, dash attack. Bien. Oui, Boubacar, magnifique. On tente deux fois de faire down smash, évidemment, pour punir au ledge. C'est une bonne option au ledge quand t'es wolf, les smash. Surtout le down et hop. Dommage, on a tenté de grab, ça n'est pas passé. Oui, bien shield sub smash. Et on est en grande difficulté quand même du côté Max Ray à 100%. Il va falloir faire attention. Parce que certes on n'est pas encore à kill pourcent mais ça peut vite arriver. Un accident est si vite arrivé. Et on chope et on back throw. On remet en situation de ledge trap. On remet en situation de ledge trap du côté de Johnny, c'est bien. Ok. Et on va se prendre ce gordo, je pense qu'il a un peu voulu entre guillemets.
façon, il n'avait pas beaucoup d'options. Sinon, s'il esquivait, là, il était mort. Donc, autant se prendre de Gordo. Savoir qu'on va survivre. Et voilà. Et le back air qui va être trouvé, qui va tuer BO3. Et du coup, Juni qui avance dans le bracket. Bien joué à lui. Et du coup, winner quarter. Et on retrouve encore Akiriel. Encore elle. Oh là là. Oh, elle est